With your president, please be seated. The court is now in session. The chamber continues to hear testimony of witness Sin Sun in relation to the treatment of the Vietnamese. Ms. T.S.U. Huang, please report the attendance of the parties and other individuals at today's proceedings. Mr. President, for today's proceedings, all parties to this case are present. Mr. Nguyen is present in the holding cell downstairs. He has waived his right to be present in the courtroom. The waiver has been delivered to the greffier. The witness who is to conclude his testimony today, that is Mr. Sin Sun, is present in the courtroom. There is no reserve witness today. Thank you. President, thank you. Ms. Chia Siu Huang. Merci, Madame Chia Siu Huang. The chamber now decides on the request by Nguyen Chia. The chamber has received a waiver from Nguyen Chia. En effet, la chambre est saisie d'une demande dated 28 October 2015, which states that due to demande his par health, l'accusé invoque des difficultés de santé, des maux de tête et des maux de dos. And in order to effectively participate in future hearings, he requests to waive his right to participate in and be present at the 28 October 2015 hearing. Pour l'audience du 28 octobre 2015. Having seen the medical report of Nguyen Chia by the duty doctor for the accused at the ECCC, dated 28 October 2015, which notes that Nguyen Chia. Dans le rapport, le médecin note que Nguyen Chia a des maux de dos lorsqu'il demeure ici trop longtemps. The chamber grant him his request so that he can follow the proceedings remotely from the holding cell downstairs. Based on the above information and pursuant to Rule 85 of the ECCC internal rules, the chamber grants Nguyen Chia his request to follow the proceedings remotely from a holding cell downstairs via audiovisual means. The AV unit personnel and staff detailing the proceedings to the room downstairs so that Nguyen Chia can follow. This applies to the whole day. Again, the chamber hands the floor to the co-prosecutors to put questions to the witness, and the combined time for the co-prosecutors and the lead co-lawyers is one session this morning. You may proceed. Vous avez la parole. Merci, bonjour Monsieur le Président, Madame et Messieurs les juges, thank bonjour you. À toutes les good parties. Morning, bonjour à vous Monsieur le témoin. And good hier, nous nous étions witness. Quittés lorsque yesterday. Vous étiez en train de détailler when ce que vous aviez vu company, you were talking about de votre poste d'observation près de la pagode from your observation post in the et vous nous aviez dit pagoda. Que vous aviez vu un certain nombre de Vietnamiens être exécutés par des soldats juste à côté de la clôture de cette pagode. Lorsque vous observiez ces exécutions, est-ce que vous avez entendu si les tueurs insultaient ou humiliaient les Vietnamiens avant de les tuer? No, I did not hear it. Non, je n'ai pas entendu. Est-ce que les victimes étaient systématiquement balancées dans la fosse après avoir été exécutées, ou bien certaines étaient laissées au bord de la fosse? Executed, or some were left on the edge of the pit. Que they were all thrown into the pit. Ils ont tous été jetés dans la fosse. Pouvez-vous nous raconter ce que vous avez vu spécifiquement can you tell us what you saw en relation avec
Niri Chanta, son exécution. Pourriez-vous nous expliquer comment s'est passée son exécution? C'est la dame dont vous aviez parlé hier, qui faisait partie de votre unité mobile et que vous avez décrite comme étant vietnamienne. When they walked her out, they mentioned her name, that is Chanta. I actually saw them walk into the pit. Je les ai vus descendre dans la fosse. But she was not killed there. She was. Elle n'a pas été tuée à cet endroit-là. Dragged away about 10 meters from the pit. À quelques mètres de la fosse. And then they actually bent her head down under her legs. And then they removed her gallbladder, placed it in a container of wine and drank it. Dans un contenant d'alcool et ont bu ce liquide. Et par la suite, est-ce qu'ils l'ont traînée et jetée dans la fosse avec and les autres? Did they subsequently drag her and throw her into the pit, as they did to the others? She was left there. Elle a été laissée là. Then they continued the killing. The people who were brought et out from the ils ont pagoda. Continué d'exécuter ceux que l'on faisait sortir de la pagode. Est-ce que c'est la seule victime que vous avez vue être éventrée is pour retirer la vésicule biliaire ou bien y en avait-il d'autres? Saw, whose bowels were opened up and the liver taken out. The gallbladder taken out, I beg your pardon. I witnessed only one incident in this matter. Je n'ai vu qu'un seul incident de ce genre. D'après ce que vous avez entendu de ces événements, est-ce que vous savez pourquoi les soldats ont retiré la vésicule biliaire de cette femme pour ensuite le placer dans l'alcool et le boire? And put it inside alcohol to drink it. They didn't say anything, however, I saw them remove her gallbladder and place it in a vine container. Biliaire, ils l'ont mise dans un pot de vin. À propos de Chanta, hier, vous aviez dit qu'elle était vietnamienne. Et en répondant à mes questions, vous avez répondu également que vous saviez que les grands-parents étaient vietnamiens. Ensuite, vous m'avez dit qu'on pouvait reconnaître qu'elle était vietnamienne à ses traits physiques. J'ai plusieurs questions à ce propos. Tout d'abord, lorsque vous travailliez dans l'unité mobile, est-ce que vous-même vous saviez que Chanta était vietnamienne? Est-ce qu'elle vous en avait parlé, par exemple? Was Vietnamese. Đừng chấp bà. Yes, I knew it clearly oui, that she was. Oui, je savais bien. Je savais bien qu'elle l'était. Est-ce que c'était connu dans le village que cette famille était une famille vietnamienne? Was it Est-ce que tout le monde le savait? In the village that that family was a Vietnamese family. Did everyone know about that? Group knew it all. Yes, everyone did. Oui, tout le monde le savait. Et est-ce que vous pourriez décrire les traits physiques qui caractérisaient les Vietnamiens? Comment est-ce qu'on pouvait reconnaître que Chanta était une Vietnamienne? Could you make out est-ce que vous pourriez nous en dire plus? Can you tell us more about that? It included the way she walked, il y avait la façon dont her elle marchait, facial figure, son faciès. And in my village,
There were only her and her grandparents who were Vietnamese, and everybody, including the elders in the village, knew that they were Vietnamese. Est-ce que vous confirmez que dans ce village de Ying, il n'y avait que cette famille-là qui avait été amenée à la pagode de Xa à ce moment-là, juste avant les exécutions? Pagoda at that time, shortly before the executions. There was only Chan Tha from Jiang Village who was taken to Xa Pagoda. Qui a été envoyé à Xa. Alors j'en viens au nombre de Vietnamiens qui ont été tués ce soir-là. Lorsque vous étiez en train d'observer ces événements, vous nous avez dit que vous étiez resté à peu près une heure sur place. Combien à peu près de personnes avez-vous vu exécutées? Thank you, Mr. President. I object to this question. It's only this witness who claims that Chan Tha is Vietnamese, but aside of Chan Tha, he doesn't know that the people that he said he saw being executed were Vietnamese. He guessed it. So that's something obviously that has to be established. So I don't think the prosecution can ask the question or talk about the alleged victims as Vietnamese, because he doesn't know and he's in no position to know. He wasn't involved in the arrest. He doesn't even know about the lists. So just to pretend that the massacre he said he saw involved Vietnamese is too many steps too far. De dire que c'était des Vietnamiens, c'est aller trop loin. Monsieur le Président, si je peux répondre, il n'y a pas qu'un seul témoin sur ces événements. Like il y en a respond. Trois qui disent tous qu'il s'agissait des Vietnamiens. Deuxièmement, hier, cela a été établi par le fait que le témoin a bien clairement expliqué pour les victimes qui arrivaient sur le lieu d'exécution, on leur demandait s'ils étaient vietnamiens ou chinois. Il a expliqué que les Chinois avaient été épargnés, les Vietnamiens avaient été exécutés. Donc je pense que je peux formuler la question telle que je l'ai formulée sans qu'il y ait matière à discussion. Donc je pense que je peux poser cette question au witness sans soulever aucune controversie sur elle. If I may quickly respond, Mr. President, his friend, who was allegedly also present, never heard the alleged killers ask the question whether the victims were Yun or Vietnamese or Chinese. So it's just him and another witness talking about a family of Hong and someone else. So to pretend that there are 500 or 600 Vietnamese victims is nonsense. 500 ou 600 victimes vietnamiennes, c'est absurde.
President, objection by Council Copper is sustained. Le chambre retient l'objection. Since there is no statement yet made by il n'y a pas encore eu de déclaration. The victims who were a part of the so-called Vietnamese, there is no clear statement from those qui étaient victimes. Il n'y a pas encore eu. For that reason, you need to first establish a foundation that those victims were all Vietnamese. Que toutes les victimes étaient vietnamiennes. Otherwise, you have to limit your questions to the victims. And you cannot conclude that they were all Vietnamese. Vous ne pouvez pas tirer la conclusion qu'elles étaient toutes vietnamiennes. For that reason, the deputy co-prosecutor, please rephrase your question. Veuillez donc reformuler la question que vous avez posée. Merci, Monsieur le Président. Concernant le nombre approximatif de victimes, regarding the approximate que vous avez vu vous-même être tué that you yourself par les soldats à proximité de cette pagode de Ksa ce soir-là, êtes-vous en mesure de donner une estimation du nombre de personnes que vous avez vu être tuées? An estimate of the number of persons you saw being killed. During the 1 hour period that I observed the execution, the number of people who were executed was between 50 to 60. Entre 50 et 60 personnes. Merci. Vous avez donné en fait des chiffres légèrement différents as a matter of fact, à quelques reprises aux enquêteurs du juge d'instruction. And you gave those figures. Donc je vais vous demander simplement de clarifier si vous en êtes capable, bien entendu. Donc, dans un premier procès-verbal, E3-9335, à la page 4 en français, 4 en anglais et 3 en khmer, vous avez dit que vous avez dit la chose suivante, je cite, « Pour cela, j'ai mis environ plus d'une heure pendant laquelle, à mon estimation, les Khmer Rouges ont exécuté environ de 70 à 80 personnes. Dans un autre procès verbal, E3-7890, à la page 2 en français et en anglais, et à la page 3 en Khmer, vous avez dit avoir vu plus de 100 personnes avoir été exécutées par 12 jeunes soldats Khmer Rouges. Aujourd'hui, vous nous dites 50 à 60 personnes. Est-ce que, en réalité, vous nous donnez juste une approximation? Est-ce que vous pouvez clarifier ce nombre? Le président. President, witness, please hold on. No objection, but I think, Mr. President, that the prosecution should be complete because in that same statement, the same WRI, he estimates the amount of victims, Vietnamese victims being killed as to 600 to 700. So I have a number of 600 to 700, 70 to 80, 100, and now 50 to 60. So it's four different figures. And his friend only saw 25, by the way. Alors là, je m'oppose fermement à cette objection. Maître Copé confond absolument deux choses. Il y a le nombre de victimes que le témoin a vu personnellement le soir même, tandis que les 600 ou 700 personnes, et pas 500 à 600, il s'agit du nombre total de victimes, en ce compris d'autres fosses, etc., qu'il a pu voir par la suite. Donc il faut, je crois, ne pas confondre les deux choses. Et donc je vais y aller par étapes et on viendra sur le nombre total par la suite. And we are going one step at a time and we'll get to the total number of persons. Actually, it was an observation by the Defense Council and it's not an objection. And the Deputy Co-Prosecutor, please clarify the discrepancy of the amount of victims mentioned in the WRI before the witness, since he is here in person. C'est bien ça que je comptais faire, Monsieur le Président.
Alors, je répète encore une fois cette question. Pouvez-vous nous expliquer, clarifier le nombre approximatif? Je comprends bien que vous ne pouvez pas le donner au chiffre près. Les victimes que vous avez vues ce soir-là être exécutées pendant l'heure, à peu près l'heure, vous êtes resté sur place. Vous avez dit 50 à 60, 70, 80 ou plus de 100 personnes. I was there for about an hour. J'étais là pendant une heure environ. And the figure I provided is just my personal estimation. The numbers could range between 60 to 70 and to 80. Of course, I did not count individual victims. I only provide you with my estimate. Merci. Thank you. Au moment où vous avez quitté votre poste d'observation, est-ce que les exécutions étaient terminées ou bien est-ce qu'elles se poursuivaient encore? Ended or they were continuing? Elles ont continué. Concernant la provenance des victimes, je voudrais lire un extrait de ce que vous avez dit au juge d'instruction of victims, dans le procès-verbal E3-9-3-5. Vous avez parlé de la famille de Chanta, de votre village, et vous avez Chanta's dit, c'est à la page 2, and you said on page je crois two, dans toutes les langues, I believe in all the languages. C'est la deuxième réponse de ce procès-verbal. Vous avez dit ceci. In this, written record of interview. This is what you stated. Ils ont été mobilisés des différents villages. They were mobilized je reprends au début. The various les Vietnamiens villages. Ont été transportés par charrette à bœufs et regroupés dans la pagode de Tsa. And assembled ils ont été mobilisés they were des différents villages from et the communes villages du district communes de Chikreng. Of Chikreng. Je me rappelle bien qu'à l'époque, il y avait aussi des Vietnamiens transportés du village de Crevel, situé également dans la commune de Sankville. Je le savais car mon unité mobile est aussi venue s'installer près de cette pagode. Fin de citation. Comment avez-vous su qu'il y avait, selon ce que vous avez dit, des Vietnamiens qui venaient du village de Crevel? Est-ce que comment l'avez-vous appris? How did you get by that information? The people in Diem village talked about this. J'ai entendu d'autres personnes dans le village de Diem en parler. D'accord. Alors à part les gens que vous avez vus. Apart from être exécutés, les gens que vous avez personnellement vus être exécutés. Avez-vous appris à peu près combien de personnes avaient été détenues temporairement dans cette pagode avant d'être exécutées? People were detained in the library hall in the pagoda. Les gens ont été détenus dans and la it bibliothèque is my estimate that there were between 300 to 400 people in c'était that library hall. Il y avait entre 600 et 700 personnes dans cette bibliothèque. Et sur quels éléments vous êtes-vous basé pour estimer ce chiffre de 600 à 700 personnes? Your basis for giving that estimate of 600 persons. President. Le président.
The figure given by the witness is 300 to 400. And I heard through the translation, interpretation, that the number is 600. Please make sure you give a correct figure. Veuillez vous assurer de donner les bons chiffres. Tout à fait, mais en interprétation française, je crois que j'ai entendu 600 à 700 personnes. Donc je vais revenir sur ce chiffre. Est-ce que vous avez dit 300 à 400 personnes ou 600 à 700 personnes? Repeat my question. Did you say 300 or 600 to 700 persons? The number is between 300 to 400. Entre 300 et 400. This is my personal estimate. Et c'est mon estimation personnelle. Bien, et sur quels éléments vous basez-vous pour faire cette estimation? And what was qu'est-ce que vous avez vu? Est-ce que vous avez pu apprendre qui what vous a permis de faire cette estimation? What were you able to know? On what gave you the basis for that estimation? Because the library hall was pretty large and it was full with those people and I could hear the voices of them talking in that hall. Je pouvais les entendre parler dans cette bibliothèque. Le soir de l'exécution, quelle était à peu près la taille de la fosse où étaient basculées les victimes? Of the pit, que vous avez vu the être dimensions exécuté. Of the pit, which est-ce que vous pouvez savoir à peu près quelle était la dimension de cette fosse et nous dire si c'était profond ou pas? Know the dimensions of that pit? Can you tell us whether it was deep or not? It was 5 meters by 5 meters, and the depth was 3 meters. Et 3 mètres de profondeur. Est-ce que dans les jours qui ont suivi l'exécution, les personnes que vous avez vues, est-ce que vous avez eu l'occasion de retourner autour de la pagode de Ksak? I returned once. J'y suis retourné une However, fois. I didn't dare stay there for long. Mais je I n'ai pas was osé there quickly, then I left. J'y suis resté bien rapidement et ensuite je suis parti. Pouvez-vous nous dire ce que vous avez vu exactement? Exactly? Soit dans l'enceinte de la pagode, Either soit autour around the pagoda de or cette enceinte. Within the pagoda. I looked at the outside of the pagoda compound and then I also entered the inner compound of the pagoda. D'abord, qu'est-ce que vous avez remarqué à l'extérieur de l'enceinte? Outside of est-ce qu'il y a quelque chose de particulier que vous avez vu à ce moment-là? Was there anything specific that you noted then? I saw the dirt was used to partially cover the pit. Utilisé de la terre pour partiellement recouvrir les fosses. Merci. Thank you. Est-ce que vous avez vu à ce moment-là une autre fosse que celle que vous aviez vue le soir de l'exécution, des exécutions que vous avez pu observer? On that night that I went to the pagoda, I saw only one pit. Je n'ai vu qu'une fosse. D'accord, là je parlais du moment où vous êtes retourné voir autour de la pagode. Est-ce que vous avez vu d'autres fosses ou bien vous n'avez vu que
la fosse où avaient été exécutés les gens que vous avez vus, et dont vous me dites que were executed that evening. Qu'il y avait d'autres fosses en plus de celle-là. Were there any additional pits to the one that you saw on the evening when the people were executed? I saw a well that was also a pit inside the pagoda. Une fosse à l'intérieur de la pagoda. And there was another pit near the pagoda. It was considered an old pit. Que l'on considérait comme une ancienne fosse. Merci. Thank you. Et comment avez-vous su que dans le puits, and dans cette autre fosse, il y avait, selon ce que vous dites, according to what you were saying, qu'elles avaient également servi pour enterrer des personnes exécutées. People who had been buried. Qu'est-ce qui vous fait dire well, que c'était des fosses qui avaient servi et le puits également à cela? What led you to believe that the pits had been used for that as well as the well? Because the well had not yet been a coward, and the well to the east of the pagoda had not yet been covered as well, so I could see what inside. Et dans ce puits, cette fosse qui était à l'extérieur de la pagode, in this well outside of the pagoda, as well as in the pits outside of the pagoda, did you see bodies? Answer. Réponse. In the well, there was some water, and when the bodies, after the body had been killed, the body was thrown into the well, and the bodies were floating, you know, 5 or 6 meters away from that well. À 5 ou 6 mètres du puits. Alors, une petite clarification concernant le temps que vous avez passé. I would like you to provide me with a bit of clarification regarding the time you spent on location. On comprend bien qu'à l'époque, il n'y avait pas observing de montre. The executions, mais, of course, you did not have a watch back then. Vous avez donné deux versions différentes. But you provided us with two different versions, and I'd like you to tell us quelle est votre meilleure estimation. What your best estimate is. Dans un premier procès-verbal, E3/9/3/5, page 4 en anglais et en français, English, and in et French, 3 en Khmer. Page 3 in Khmer. La question vous est posée the de savoir combien d'heures vous avez épié l'exécution de ces Vietnamiens. Et vous avez répondu, pour cela, j'ai mis environ plus d'une heure. Et dans le deuxième procès-verbal, E3/7890, à la page 2, dans toutes les langues, il est dit ceci, je cite, j'ai assisté en cachette à l'exécution qui a commencé sans doute à 9 heures du soir pour se terminer à minuit. The execution that started at 9 o'clock in the evening and ended at 12. Que c'était donc pendant 3 heures. So that lasted 3 hours, free translation. Est-ce que vous pourriez clarifier exactement cette période dans la mesure où vous pouvez vraiment le faire? What your real time estimate is? Vous avez dit plus d'une heure, vous avez dit trois heures. De quoi vous vous souvenez so exactement et comment avez-vous pu mesurer ce temps? And how were you able to measure that time that went by? I may have not recalled well since réponse, it happened a long time ago. But what I said was true. Est-ce qu'à la pagode de Xa, quand vous êtes
Vous vous êtes rendu sur place, vous avez été entendu par les enquêteurs, des juges d'instruction. Vous leur avez montré les différentes fosses, en tout cas l'endroit d'où vous avez observé les exécutions, l'endroit où les exécutions ont eu lieu, ainsi qu'une autre fosse. The investigators asked me to guide them to the pits and also to the place where I was observing the incident at the time, and also they asked me to show the way that I used to go and have a look at those pits. And they asked me also to show the tree where the kerosene lantern was held. They wanted to make sure that I was telling them the truth. The investigators also went to see the villagers to show them the killing sites and also the places where I told them. So the places and the events told by the villagers were the same those that I told the investigators. So the investigators was trying to corroborate the evidence, my evidence, with that of the villagers' evidence. Later on, they went to meet a monk who was younger than me. However, that monk was not sure on the event or incident. The monk was not sure what happened during the time. Merci. Thank you. Simplement pour terminer, est-ce que les enquêteurs vous ont montré les photos qu'ils ont prises de vous lorsque vous leur montriez ces endroits? Answer. Back then, to my recollection, I do not know whether I was shown with the photos. I am sure that I was interviewed, and they may have typed, the narrative into the computer. But I cannot tell you whether the photos were shown to me. Merci. Juste pour terminer avant de la parole aux parties civiles, je voudrais, pour permettre l'authentification de ces photos, Monsieur le Président, montrer quatre photos qui sont annexées au rapport de localisation géographique établi par le Bureau des juges d'instruction qui porte la cote E3. Index E3/8049, I believe. Et en français, ce sont les pages 13 à 16. En anglais, pages 12 à 15. En Khmer, pages 12 à 15 également. C'est un rapport de localisation géographique concernant la pagode de Ksa. Avec votre autorisation, je voudrais simplement remettre ces quatre photos à Monsieur le Témoin pour voir si to see if he can recognize himself on these pictures. President, yes, you can show the photos. J'entends que le témoin dit qu'il ne peut pas voir clairement. I understand that witness says that he cannot see the pictures cas, clearly. Il y a quatre photos pour les besoins de la transcription qui portent des légendes
concernant la visite des lieux avec le témoin Sing Sung montrant différents lieux. La première photo montre un endroit où, selon les juges d'instruction, il y a marqué 150 personnes ont été exécutées. 150 people were executed. Le deuxième endroit montre le témoin Singh à son poste d'observation lors des exécutions, environ 40 mètres. About 40 meters away. La troisième photo porte la légende suivante. Carries the following caption, le lieu des exécutions vu du poste d'observation. Place of the execution seen from the enfin, observation station. La quatrième photo and the fourth photograph est celle où Singh montre l'endroit où il a trouvé environ 50 corps quand il est revenu sur les lieux quelques jours plus tard. 50 bodies when he returned est-ce que vous to ne voyez pas du tout, location le a few days later. Witness, you do not see anything. Il y a une personne avec une there chemise is a person here with a yellow shirt, en tout cas sur la première et la or dernière in any case, photo, on the first and last photograph, qui montre des endroits. Is showing the est-ce different que vous locations. À reconnaître so are you si able, c'est vous ou pas? To recognize if this is you or not? Report ne the photo. It is me inside that photo. S'agissant de la photo, c'est moi sur la photo. Merci, Monsieur le Président. Je n'ai plus de thank questions. You, Mr. Je voudrais céder la parole I have no further parties. Questions. I now would like to give the floor to the civil parties. The floor is now given to LIDCO lawyers for civil parties to put questions to this witness. You may now proceed. Good morning, Mr. President, Your Honours. I would like to seek the floor for Mr. Hong Kum Soon, and he may need around 15 minutes to put questions to this witness. President, you can now proceed with your questioning, Mr. Hong Kum Soon. Hong Kum Soon, good morning, Mr. President. Good morning, Your Honours. My name is Hong Kum Soon. I am from the Defenders Organization for the rights of the accused. I do not have much time to put questions to you since the co-prosecutor has asked you a lot of questions already. I would like to ask you about the execution at Ksat Pagoda. Now I am asking you about the killing of Jan Ta. You told the court that she was known as a Vietnamese person. You stated that before she was killed, she was taken away from the pit, killing pit, and then they bent her feet to her head before opened her bowel. Ses is that cheveux true? À ses pieds avant de lui ouvrir les entrailles. C'est exact. Answer. That is true, and they did exact. Not undress her at that time. Ils ne l'ont pas dénudée à ce moment-là. Lawyer, thank you. In your testimony yesterday and today, you stated that Jan Ta was living in Dieng village and her grandparents were Vietnamese and she had no parents. Do you know how her parents died? Savez-vous comment ses parents sont morts? Answer, no, I do not know. Réponse, non, je ne sais pas. Lawyer, thank you. Regarding the execution of the Vietnamese, s'agissant de l'exécution des Vietnamiens, you, in addition to that, those killings, you made mention about the killings of children and also members of the family. Ainsi que de membres de la famille.
When you were observing the killing, how were the children killed? Were they killed in the same way as they killed the adults? President, please observe the microphone before you speak, Mr. Winness. Answer. Réponse. Sometimes, after the children arrived at the place, they were hit with the bamboo sticks, and some other children were thrown up into the air, and they fell into the pit. Et retombaient dans la fosse. Lawyer, I am asking you about the killing of the children, not the killing of the baby. Were the children bowel open up est-ce que l'on ouvrait également les entrailles when they were killed? Lorsque on les exécutait? Answer, no. Réponse, non. Lawyer, thank you. Avocat des parties civiles, merci. You made mention and told the court that about 50 or 60 victims were killed on the night. Were female victims raped before they were killed? Answer, no, they weren't. Lawyer, thank you. I have another question for you. You stated before the chamber that the victims were not blindfolded and they were not tied up when they were killed. Regarding those who had been killed and those who had not yet been killed, were they staying close to each other? Exécutés et ceux qui n'avaient pas encore été exécutés étaient-ils à proximité? Answer. For those who had been brought to be killed, they were put, you know, in places far away from one another. Lawyer, thank you. Now I would like to know some family members. Did those family member were those family member able to see the actual killing of their loved ones? À l'exécution à proprement parler des answer, I have no knowledge of réponse. That matter, Mr. Lawyer. Lawyer, thank you. Avocat des parties civiles. In merci. Document. D125/79, page 3 in Khmer version. Page 3 de la version Khmer. And perhaps page 2 in English. Et page or 3, I am not sure. Ou 3 probablement you en anglais, je ne suis pas certain. Give an answers. To the investigators regarding a village chief named Soy. De Soy, un chef de village. Soy stated that he received Soy order from the superior to kill the Vietnamese. Did you hear lui enjoignant d'exécuter les Vietnamiens? This directly from the village chief. L'avez-vous appris directement? And do you know that that village chief received direct order from the superior? Si ce chef de village a reçu son president, ordre directement du supérieur. Please hold on, Mr. Witness. You have the floor now, Mr. Cooper. I object. This is a leading question. He never spoke before about the village chief. I think counsel should have started with an opening question about who the village chief was, what his knowledge was, etc. Now he just leads him directly to his previous answer, so I object to this line of questioning. Objection. Lawyer.
documents in the interface had already been filed by parties, and the president asked the witness already whether or not he has reviewed and read the documents. That is why I quoted some parts of the document and asked him about that statement. President, Mr. Lawyer, please identify the document specifically, the page and the document number, so that a party can follow you. And what I heard from the defense counsel is that what you were quoting is not in the document. First, you have to lay the ground before you can ask, and if there is any discrepancy, you can quote a certain portion of the statement to clarify with the witness. The chamber has instructed party already on the matter so that we can proceed smoothly with our hearings. Lawyer, thank you, Mr. President. In document E3/9335, and regarding the Khmer Eon, it is 00 22 46 78. My apology, it is 00 21 74 88 through 91. That is Khmer Eon. And Eon in English is 00 27 47 27 through 31, and French 00 38 43 72 through 76. President, I don't think you identify correctly the document number. Please specify it again, lawyer. Lawyer, my apology, Mr. President. Document E3/9335. Rather, the lawyer said E3/9395. President, you may now have the floor, International Deputy Co-Prosecutor. Merci. Juste pour aider à clarifier le numéro de page, c'est dans la page 4 dans les trois langues, en français, en anglais et en khmer. French, English, document E3/9335. Lawyer, that is correct, what the co-prosecutor said. May I proceed now, Mr. President? I would like to put the last question to this witness. Mr. Witness, the reference page is consistent with what the co-prosecutor mentioned. De référence did correspond à ce qui you know dit par le the killing of Vietnamese from one village chief, and if yes, what was his name? President, the witness did not mentioned the name of the village chief yet when he was answering. The microphone had not yet activated. Please rephrase your question. Lawyer, let me put the question once again.
Permettez que je vous la pose à nouveau. Do you know the killings of a Vietnamese from which a village chief? What is de quel chef de his village name? Avez-vous appris l'exécution des Vietnamiens? Comment se nomme-t-il? Answer. His name is Soi. Réponse. Il s'appelle Soi. Question. Question. Did you learn the death killings from the village chief or did you learn Avez-vous it directly? Les sujets des exécutions directement du chef de village ou autrement? Answer. He told Réponse. Me. Il me l'a dit. Question. What did he tell you Question. About que the killings, if you can recall? Si vous vous en souvenez. Answer. It he told me long time Réponse. Ago, C'était so I did dit. Not recall exactly what Donc he me told me pas at exactement that time. De ses paroles à l'époque. Lawyer. Now I would like to read the WRI, à présent the same document that I même document portant le même code mentioned to the court. From what I knew, the village chief received Vous the order from the superior. I did not know whether he received the order from the district or from the sector. President, please hold on, Mr. Winnet. You have the floor now, Mr. Cooper. Again, I object to this question, Mr. President. Although confused at the answer, from the answer the witness, that he now says he heard it from the village chief, what he in fact has said in his WRI is something about alleged chain of command, nothing else. So I think first we should identify what precisely it was that this village chief would have said to him as to orders from anywhere. And then move slowly down the line. All of a sudden we speak about the village chief and the witness is giving an answer, and now we're moving to sort of chain of command line of questioning. It doesn't really make sense, and I don't think it's an appropriate line of questioning. So I object. La série de questions soit appropriée. Donc j'ai une objection. Lawyer, I would like to respond to the objection. I was asking about the knowledge of the witness, whether or not he knew the killing directly by himself or he learned from the village chief. And then I asked the witness what did the village chief tell him. So the questions are related to each other. President, please rephrase your question and make your question simple and specifically, because I cannot catch your question in Khmer very well. You have lots of experience, so please arrange your question once again. Donc, veuillez reformuler votre question. Counselor, I'm trying to rephrase my question. Mr. Witness, you said that you heard from the village chief about the killing of the Vietnamese. And my question to you is the following. My question to you was what he told you, and you said that it happened a long time ago, so you cannot recall que it. Vous a-t-il dit? Vous and avez for that reason, I read an excerpt from your statement, pas, whether you stand by that statement or not, si in which you said that the village chief heard said that the order came from the upper echelon, but he didn't know from which level. Are you still standing by your statement, Mr. Witness? Cette déclaration, Monsieur le Témoin. Witness, that statement is correct. Oui, c'est exact. Counsel, thank you. I don't have any further questions Merci, for the witness, Mr. President. Pour ce témoin, thank Monsieur you. Le Président. Merci. Le Président. President, we take a short break Nous now and resume at 20 past 10.
to continue our proceedings, and court officer, please assist the witness during the short break and invite him back into the courtroom at 20 past 10. The court is now in recess. Room 10 clock